Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Aujourd'hui, nous allons prendre l'histoire de Cendrillon. النهارده هناخد قصة جديدة ومفيدة جدا جدا وبطريقة مختلفة عن اللي تعودنا عليها. النهارده هناخد الاستوار بتاعتنا كلها en français وده علشان نتعلم ان احنا يبقى عندنا كتير فوكابولير بالفرنسي ونتعلم على طريقة النطق صح en français. أخدنا قصص كتير مترجمة من فرنسي للعربي وكتير ناس استفادوا منها، فهنبتدي ان احنا ندخل في ان احنا نعمل بس القصص en français علشان يبقى طريقة استماعنا للحاجة او اللي احنا متعودين احنا نسمعها او اولادنا يسمعوها تبقى بس بالفرنسي، لان ده مفيد جدا 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 ليهم وطريقة مفيدة جدا. ده طبعا بعد ما يكونوا تعودوا طبعا على ان هما يسمعوا القصص عربي وفرنسي زي ما كنا بنعمل. هنبتدي ان احنا نسمعهم القصص بطريقة بسيطة وبطريقة تلفت جدا انتباههم وبصور تلفت برضو الانتباه زي ما تعودنا بالفرنسي. كمان الناس اللي بتتعلم فرنسي مفيد قوي ليهم ان هما يسمعوا قصة كاملة او زي ما قلت لكم قبل كده حوار كامل بالفرنسي، هيبقى مفيد جدا جدا ليهم. تعالوا النهاردة نشوف القصة بتقول ايه. قصة طبعا كلنا عارفينها وكل الأطفال بيحبوها واحنا كمان ككبار بنحبها جدا. تعالوا مع بعض نقولها النهاردة بالفرنسي ونشوف قد ايه هنستفاد ان شاء الله من القصة دي. مستعدين؟ Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Aujourd'hui, nous allons prendre l'histoire de Cendrillon. Êtes-vous prêts? Alors, on commence. Cendrillon était une belle jeune fille, au bon cœur. Elle vivait avec son père après la mort de sa mère. Mais après un certain temps, son père décida de se marier à nouveau. Afin que cette nouvelle épouse puisse éduquer Cendrillon vu ses occupations, il épousa donc une femme qui avait de jeunes filles qui s'appelaient Lucie et Poussy. Cette nouvelle épouse traitait très mal Cendrillon et de plus la désignait comme servante chez elle. Dès que son père sortait de la maison. Puis, un jour le roi du pays dans lequel vivaient Cendrillon et sa famille décida d'organiser un grand bal où il invita toutes les filles du royaume, en vue de choisir l'une d'elles comme épouse pour son fils. De ce fait, il envoya une invitation pour chaque maison du royaume. Lorsque l'invitation parvint à la demeure de Cendrillon, sa belle-mère la prit et la lut, décida de s'y rendre avec ses filles et de laisser Cendrillon toute seule à la maison. Lorsque Cendrillon sut cette affaire, elle fut très attristée et commença à pleurer à chaudes larmes. Lorsque le jour du bal arriva, Lucie et Poussy se parèrent de leurs plus beaux habits, puis se rendirent avec leur mère au palais du roi, laissant Cendrillon toute seule à la maison. La tristesse envahissait le cœur de Cendrillon, mais à cet instant, une chose étrange et surprenante se produisit. Une fée immense et bonne lui apparut et lui dit « Ne pleure pas, je vais t'aider. » La fée fit un mouvement simple pour faire en sorte que Cendrillon soit paré du vêtement le plus élégant et des plus belles chaussures. De la même manière qu'elle lui confectionna un grand carrosse tiré par des chevaux. La fée ordonna à ces derniers de transporter Cendrillon ce bal. Cendrillon remercia infiniment la fée et monta à bord du carrosse pour se rendre rapidement au bal. Alors qu'elle partait, la fée attira son attention en lui disant « Il te faudra revenir chez toi avec minuit tapante.
Cendrillon lui fit un sourire et lui promit de retourner avant minuit. Lorsque Cendrillon arriva au bal, le prince fut très émerveillé par sa beauté et sa bonté. Il lui proposa le mariage et elles en furent alors très réjouies. À cet instant, elle regarda l'horloge et sut qu'il ne restait que quelques minutes pour que ce soit minuit. Sur ces entrefaites, Cendrillon quitta le palais à toute vitesse. Et le prince, qui en fut surpris, commença à les suivre. Toutefois, il fut incapable de la rattraper. Mais durant la course, Cendrillon vacilla et une paire de ses chaussures tomba. Mais elle la laissa tellement elle était pressée et le prince la récupéra. Le bal fini, le prince raconta à son père l'histoire de la jeune fille qui lui plut. Il décida alors de prendre les chaussures et de chercher sa propriétaire dans chaque demeure du royaume. Néanmoins, cette chaussure n'entra dans aucun des pieds de quelconque fille. Puis le prince arriva à la maison de Cendrillon. Sur place, Lucie et Poussy essayèrent la chaussure, mais leur pied n'entra guère dans la chaussure, à l'exemple des autres jeunes filles. Le prince demanda s'il y avait une autre jeune fille présente dans la maison. La belle-mère rétorqua alors, « Il y a la servante, ô prince, mais elle ne vous plaira pas. » Cependant, le prince insista pour la voir et lorsqu'elle se présenta à lui, il lui ordonna de chausser son pied. Elle lui alla à merveille et à ce moment-là, le prince se souvient d'elle, sut que Cendrillon était la jeune fille qui s'était assise avec lui au bal et l'informa qu'il voulait l'épouser. Le prince fut très heureux, épousa Cendrillon et ils vécurent très heureux.